C'est bien beau d'avoir un projet politique, mais si on n'a pas l'outil durable pour pouvoir accueillir ces activités-là, on va être en difficulté. Et donc, du coup, ça rejoint un petit peu la question aussi du modèle économique singulier qu'on a mis en place sur notre structure et qui est finalement un peu notre arme. C'est une des armes pour accompagner l'essaimage du projet politique qu'on porte. Grosso modo, la FNSEA et les chambres d'agriculture ont pris le pouvoir du développement agricole de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est-à-dire que le président de la FNSEA du Rhône et vice-président de la Chambre du Rhône est devenu le conseiller spécial auprès de Laurent Wauquiez sur la question du développement de l'agriculture biologique. Voilà. Là, clairement, ce qui a été signifié, c'est la technique, c'est les chambres d'agriculture, bon sang, de quoi vous mêlez. Voilà, et comme un certain nombre d'autres choses. Donc là, il y a un phagocytage monstrueux, on prend tout ça, mais on vous aime bien, hein, il n'y a pas de souci, vous avez le droit d'exister, mais par contre, les financements, ça va être pour nous. Alors c'est extrêmement... C'était important que je précise que on a 40% de financement public. En fait, la région Rhône-Alpes, elle contribue à hauteur de 25% de ces 40% de financement public. Donc, en tout cas, pour ce qui concerne l'atelier paysan, ça peut être compliqué dans les années à venir. Pour 2016, a priori, les financements ne sont pas remis en question. Il est question de 60 ou 70 000 euros. Pour 2017, là, par contre, la question, elle se pose, puisque je pense que... très clairement, nos thématiques de travail ne sont pas forcément dans la ligne du parti. Du coup, il est possible qu'on doive se passer éventuellement, intégralement, des financements de cette collectivité publique dont le nouvel exécutif a été élu en décembre dernier. On aligne pour que ça soit facile à ajouter. Les joueurs ne peuvent pas tellement aller plus loin, là. Passer à l'affûtage.
Pour nous, les semences, c'est pas uniquement une graine ou même une plante. Ce sont les plantes domestiquées. Et dans la domestication d'une plante, c'est pareil pour les animaux. Il y a trois éléments. Oui, il y a un être vivant qui est la plante. Il y a le terroir. Les plantes, elles ne sont pas adaptées à un terroir, à des conditions de culture. Et il y a un système social. L'agriculture, ce n'est pas un individu qui fait de l'agriculture, ça n'existe pas. Et pour la sélection des plantes, c'est pareil. Et la domestication, c'est un rapprochement entre des hommes, un terroir et des plantes. Et ça n'existe que parce qu'il y a un système social. Le système social traditionnel, on connaît encore un petit peu si on sort de France. C'est ce qu'on appelle les communautés ou les peuples indigènes ou les communautés locales. On connaissait des villages où il y avait une vraie communauté dans les villages. Je pense que ça existe beaucoup moins aujourd'hui. C'est pas pour ça qu'il n'y a plus de communauté, qu'il n'y a plus de système social. Et que un des rapprochements qu'on peut faire entre le renaissance paysanne dont je vais vous parler et peut-être la démarche de l'atelier, c'est qu'aujourd'hui ce sont de nouvelles formes de communautés qui apparaissent. On appelle ça les réseaux, des communautés en réseau. Il y a beaucoup plus d'échanges à distance que ce qu'il y avait avant. Et donc on voit de nouvelles formes de communautés qui sont en train de se construire, avec peut-être une grosse différence. Ça a un impact, en tout cas sur les plantes, peut-être moins pour vous, sur les machines. Quand on était dans une communauté locale, nos plantes et nos animaux étaient dans la même communauté. Et puis on y était. On pouvait pas, si on voulait en sortir, il fallait déménager. Alors qu'aujourd'hui, bon, on peut être dans plusieurs réseaux. On peut être dans un réseau pendant un temps, puis passer à un autre. Il y a un côté zapping aussi dans tous ces réseaux, parce qu'ils sont autour de centres d'intérêt. Et je pense que cette innovation sociale qui est en train de se construire, on ne sait pas exactement ce qu'on va construire. On ne va pas faire la même chose que les organisations. Moi, je suis syndicaliste, hein, le syndicalisme il s'est monté avec des formes d'organisation qu'il faut bien appeler par leur nom, ça s'appelle le centralisme démocratique. Mais bon, les réseaux, ça ne fonctionne pas comme ça, mais on ne sait pas encore comment ça fonctionne, on ne l'a pas écrit, on ne l'a pas réglementé, on n'a pas. Il y a vraiment d'innovation qui se fait. Vu le geste. Du balai en permanence. Ouais, mais et j'insiste pas au milieu parce qu'autrement le métal va couler. Ouais. Mais je suis arrivé à refermer complètement la pièce malgré qu'il y avait plus de 5 mm d'écart là. Un bras de relevage, si on veut le réparer, ben c'est super sollicité. Faut chanfreiner quoi. Hein. Il va falloir qu'on monte un peu plus pour incliner un peu la queue vers le bas de façon à venir toucher, et là vous y allez tout doucement. Hop, on touche et on regarde où on a touché. Là j'ai touché juste ici là. Ah, ça me paraît pas mal. Vous verrez que vous ça sera peut-être pas forcément toujours donc il va falloir corriger. Ah, j'ai touché trop en arrière, je relève un peu ma queue. Mais mes angles, je conserve mon arrêt horizontal. Voilà, donc avec le métier, l'entraînement, les angles, on les a inscrits dans nos chaînes. Je crois que cette idée de
reconnaissance des savoirs populaires. Et pour moi, le travail qui est fait sur les outils, quand on se réapproprie la construction de ces outils, on crée des savoirs. Chaque paysan qui va faire son outil va amener une nouvelle connaissance qu'on n'avait pas son copain, puis il va la transmettre. Et c'est un savoir qui est tout à fait différent du savoir industriel. Le monde vivant, il ne se reproduit pas sur un élément automatique. Il y a toujours des moments où ça se décale un peu. Vous entendez parler du nombre d'or, c'est un moment infini. Parce qu'il y a, ils disent le hasard ou l'aléatoire, moi je dis c'est des choses que nous on ne comprend pas. Quand on calcule, par contre le savoir paysan, nous on a un ressenti immédiat et global d'une plante dans son écosystème et l'écosystème. Et on vit dedans, et on vit avec. Et donc à partir de là, on a des outils de perception qui ne sont peut-être pas reconnus par la science, qui font que parce qu'un animal, parce qu'une plante nous plaît, c'est peut-être le premier critère de sélection qu'on va avoir, c'est une hypothèse. Pas très scientifique ce que je vous dis. L'essentiel des savoirs populaires, et bon, grâce à la guerre campesina, il m'arrive de travailler avec les peuples indigènes, les connaissances des peuples indigènes sont basées sur ce type de connaissances. Et qui sont très efficaces. Ils ont quand même construit des civilisations entières uniquement avec ces connaissances-là, sans le calcul. J'ai commencé la boulangerie, ça doit faire 50 ans. Hein. Faut le faire, hein. C'est toujours aussi intéressant. Alors, je croyais que j'avais tout connu dans ma vie, en boulangerie, en pâtisserie. Mais alors, quand j'ai connu le pain bio, là, à la ferme, je ne dis pas entre nous, hein. C'est génial. C'est ce qu'il y a de mieux. Et de l'eau de source, de la farine que je fais, du blé qui pousse autour, du sel de Guérande, du levain, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est merveilleux. Donc ça fait 9 ans que je suis en retraite, ça fait 12 ans que je suis en retraite, ça fait 9 ans que je suis ici, mais il faudra qu'ils me tuent pour que je m'en aille, quoi, qu'ils me mettent dans le four. Alors ce qui est drôle, c'est le Moyen-Âge, quoi. Ça va être comme dans le temps, ça me fait. J'ai connu le moderne, j'ai tout connu. Et c'est ce qui m'épate le plus, c'est ce que je fais maintenant. Tous les jours, il y a des surprises. Vous avez le four qui ne va pas, vous avez la farine qui n'est pas si bonne que d'habitude, vous avez la pâte, elle est trop molle, elle est trop dure. Mais à chaque fois, je les reconnais, mais comme mes enfants, quoi. Je sors un pain du four, après si je vois un client avec le pain, je dis, tiens, celui-là était dans le fond à gauche, à côté de la bord, le truc. Mais c'est dingue, ça, hein. Mais je suis vraiment dedans. Les trous, je pense qu'ils sont comme ça. Non. Ils sont vers l'extérieur, les trous. Si tu le tournes, c'est pas comme ça, si hein. C'est juste, si tu mets la plaque à plat, les deux trous ils sont là. Ah, mais c'est extérieur. Après, c'est cette cote-là. Je claque, c'est 25, ah, si, mais là c'est bon. Et on a 36 là. Et du coup,
31 là. Donc là il y a les petites cales, on peut souder si vous voulez les gars, on peut attaquer. Cool. Va pas ressembler au plan qui est déposé à la chambre d'agriculture pour bénéficier de la DGA. C'est à peu près ça qu'il faut leur dire. Il faut leur dire, moi j'ai vu le cas chez moi, du gars qui me dit, dans 3 ans je vais avoir le SMIC et demi. Je lui dis, si tu dis ça à ta femme, elle va se barrer. Donc il vaut mieux que tu me dises ça à moi, mais je me dis pas à elle. Et il faut être honnête, quoi. Tu prends ton temps, tu vas pas sûrement travailler 35 heures par semaine. La première question que je te posais, c'est de savoir combien de temps. Il faut être honnête, combien de temps? Moi j'ai pris mes premières vacances, ça faisait plus de 8 jours, non plus de 3 jours, 8 jours j'ai pris pour la première fois, ça faisait presque 20 ans qu'on était éleveur. Et petit à petit, après moi je travaillais à 8 ans, je faisais 35 heures par semaine. Dans ce modèle-là, tu as juste les aimants et un disque ici. Le disque, c'est pour boucler une ferme, donc un champ et partirait, ça serait de l'équité. Et le modèle du dessus, donc les plus grandes éoliennes, c'est celle qu'on va faire. Tu as 2 disques comme ça avec des aimants de chaque côté. Et du coup, tu as plus de puissance. Et ici, tu as des bobines à l'intérieur. Donc ils sont en train de faire les bobines là. Ouais. Ils vont en faire je sais plus combien, 9 je crois. Ouais, c'est ça. Et ils vont les couler dans de la résine. Officiellement, la conférence s'appelle « La fin des paysans, les ravages de la modernisation agricole ». Et comme toujours, on donne un titre 5 mois avant, et quand il faut préparer l'exposé, évidemment, on parle d'autre chose. Je ne vais pas vraiment vous parler de la fin des paysans et du machinisme agricole. C'était un titre accrocheur pour vous faire venir. Ça sera peut-être plus ennuyeux qu'un titre lundi, quand même. Donc « La fin des paysans », c'est une référence à un livre célèbre d'un sociologue qui s'appelle Henri Mandras, qui a publié en 1967 un livre qui s'appelle « La fin des paysans », à un moment justement où la modernisation agricole battait son plein et commençait à faire sentir ses effets les plus délétères, et une série d'interrogations, de questionnements sur la pertinence de ce processus de modernisation commençait à émerger. Et dans ce livre, Mandras analysait tous les mécanismes par lesquels la société paysanne traditionnelle est en train de disparaître, avec toutes les menaces de sa disparition que faisait peser sur le monde contemporain, évidemment. Il faut rappeler juste, évidemment, que cette fin des paysans, c'est d'abord quelques chiffres. Dans l'après-guerre, après 1945, en France et dans la plupart des pays européens, les paysans représentaient encore plus d'un tiers de la population active, avec de fortes variations selon les pays. Dans certains pays comme l'Angleterre ou la Belgique, les paysans avaient déjà en grande partie disparu. Alors que dans d'autres pays européens, notamment dans les pays d'Europe du Sud ou en France, les paysans représentaient encore 33-35% de la population active, donc composaient une part considérable de la population. Dès 1980, les paysans ne représentent plus que 10% de la population active. Et aujourd'hui, c'est plus que quelques pourcents de la population active. Donc, quand on parle de la fin des paysans, c'est d'abord une référence à cette élimination à l'intérieur du monde du travail de ce monde paysan qui était central et qui a été central dans toute l'histoire sociale de la France pendant très longtemps. Alors évidemment, il faudrait relativiser en soulignant que ça, c'est la situation du monde occidental. Dans une grande partie du monde aujourd'hui, les paysans restent extrêmement nombreux. Et donc on vit dans un moment où en fait, il y a une multitude de situations très diverses qui coexistent.
Ce qui caractérise notre temps, sans doute, c'est la coexistence de pays où il y a l'agriculture la plus industrialisée, la plus high-tech, et où les paysans ne représentent presque plus rien dans la population, et des pays où, en réalité, les paysans continuent d'être la majorité de la population. Donc, c'est vraiment, sans doute, la fin des paysans, donc c'est la fin des paysans dans certains espaces, et pas du tout dans tous les espaces. How do you feel? Take me home. How do you feel? How long do you feel the soul to keep all you do? And when you come to feel terrible, won't even stop by, cause there's no thing. Only find your soul at home. Only find your Thank you.